Salut, c'est Maximilien Dupré. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la potence à angle variable de la marque Specialized. Il s'agit tout simplement d'une potence dont l'angle est réglable. Vous êtes prêts? On y va? C'est parti! De nos jours, il existe beaucoup de potences différentes en aluminium, en carbone, en acier ou en titane. Mais vous devez vérifier plusieurs paramètres pour que la potence que vous décidez d'acheter soit adaptée à votre VTT et à votre position sur votre vélo. Tout d'abord, le diamètre au niveau du pivot. En général, 1 pouce, 1 huitième. Ensuite, le diamètre au niveau du cintre. Et oui, il y en a plusieurs. En général, 31,8 mm, 25,4 ou 35 mm. Viennent ensuite les deux paramètres qui vont déterminer votre position sur votre VTT. Premièrement, la longueur ici de la potence et ensuite l'angle d'inclinaison de la potence. La longueur varie entre 30 et 130 mm et l'angle, lui, varie entre 0 et 20 degrés ou plus. Vous trouverez donc forcément la potence qui correspond à votre réglage de position. Et pour vous faciliter la vie, Specialized propose une potence avec plusieurs longueurs et plusieurs angles possibles. La Comp Multi-Stem, la potence ajustable. J'ai donc ici sur mon VTT Canyon le modèle qui fait 110 mm de longueur avec un angle de 12 degrés. C'est le modèle qui m'a été conseillé, vous vous souvenez, suite à mon body Geometry Fit chez Allbike 7. Je vous montre tout de suite comment régler cette potence. Vous allez voir, c'est super simple car l'angle est ajustable. Il y a une bague à l'intérieur de la potence qui, elle, est inclinée. Il faut donc tourner la bague pour voir apparaître les valeurs des angles que vous choisirez. Par exemple ici, 10 degrés ou moins 14 degrés ou à l'opposé, 14 degrés et moins 10 degrés. Il faut bien aligner la bague à l'intérieur pour ne pas positionner votre potence de travers. Mais ce n'est pas tout, Specialized m'a fourni avec cette potence ajustable une bague inclinée ou entretoise inclinée de 2 degrés. Je peux donc choisir de diminuer ou augmenter l'angle de ma potence de 2 degrés. Donc 10 plus 2 égale 12 ou 14 moins 2 égale 12. Cette potence Comp Multistem est disponible en plusieurs longueurs, 70, 75, 90, 100, 110, 120 et 130 mm. Ce modèle de potence est disponible avec des angles différents, également 12 degrés, 17 degrés ou 24 degrés. Et est livré avec deux entretoises inclinées de 2 ou 4 degrés. Vous imaginez donc la multitude d'angles possibles avec cette potence ajustable. Et le bouchon de potence, lui, est bien spécifique. Il accepte les différents angles. Et bien entendu, si vous trouvez que cette potence est trop basse ou trop haute, vous pourrez modifier ce réglage quand vous le souhaitez. C'est là l'intérêt de cette potence ajustable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Contactez-moi directement par email pour toutes vos questions. Voici mon adresse, maximilien@club. maximilien@clubvtt.com. C'était Maximilien Dupré. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. À tout de suite.